Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Comme vous le voyez, je vais ouvrir les coffres avec vous. J'ai reçu un coffre magique il y a 12 heures. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo spéciale pour montrer à mes abonnés ce que j'ai gagné. Je pense qu'on va rien gagner de spécial, mais bon, c'était plus manière de faire une vidéo sur un coffre magique et un gameplay derrière. Et ça fait longtemps que j'ai pas ouvert les coffres gratuits, là, toutes les 4 heures en haut à gauche. Donc, on va les ouvrir. Allez, c'est parti, on commence par les coffres gratuits en haut. Hop, donc, 72 de 3 géants royales, de 6 chevaliers. Ok, super. Allez, on en ouvre un autre. 58 d'or, c'est pas beaucoup, mais bon. C'est mieux que rien. 8 canons. Allez, ok, super. On va pouvoir en faire un dans 4 heures. Donc, maintenant, on va passer à ce coffre-là. Tiens, je vous dis, je vais pas ouvrir le coffre magique maintenant. Coffre 65 d'or. 2 gobelins. Donc, ça m'intéresse que les gobelins, je les utilise. D'ailleurs, les gobelins que j'ai pratiquement. Je pourrais pratiquement les améliorer niveau 9. D'ailleurs, je vais faire une demande de gobelins sur. Dans mon clan. Comme ça, moi, ça va me permettre de les améliorer peut-être aujourd'hui. Maintenant on passe au coffre magique. Donc là 656 d'or. C'est tout. Putain, je pense avoir beaucoup plus d'or quoi. 3 géants, des quelques gargouilles. Extracteur d'élixir, on en a 3. 5 mini PK. 6 cabanes de gobelins. Les squelettes, bon ça j'en utilise jamais mais c'est pas grave. Et le miroir que j'utilise pas, bon c'est pas grave. On n'a rien eu de spécial. Comme vous le voyez aussi en haut à droite, regardez les amis, j'ai 2000. Hop là, 2869 trophées. Je suis dans mon record de trophées. J'ai jamais eu autant de trophées sur Clash Royale. J'ai changé mon deck un peu. Vous voyez, la dernière fois dans la vidéo, je vous disais qu'on va tester le deck avec le prince ténébreux. Donc là, on va le tester. On va faire un gameplay. Peu importe, encore une fois, les amis, que je perde ou que je gagne, c'est manière de tester avec vous le prince ténébreux. Sauf si je perds, c'est pas très grave. J'en referai un autre pour essayer de gagner. Bon, après 2 parties perdues, je recommence un gameplay. Lol. Là, sur la tête de ma mère, je vais voir ce qui va me sortir tout de suite. Voilà, impeccable, tu me sors ça, grand. Là, il va me sortir des gobelins ou un truc comme ça, non? Même pas. Tu me sors rien du tout, quel abruti. Tu me sors ça, je te sors. Moi aussi, mon prince ténébreux. Allez, on sort la princesse qui est juste derrière. Ça c'est pas grave. Allez, il doit être, il doit plus avoir d'élixir ou alors il doit être. Là, faut que je me concentre. Je peux gagner contre lui, je pense. Il y a la place, on va dire. Là, logiquement, il va me sortir un truc d'élixir. Même pas. Voilà, impeccable. Quand est-ce qu'il va me ressortir son prince ténébreux là? C'est pas maintenant qu'il va me le sortir. Allez, sors-moi tes flèches de merde. Comme par hasard, il me touche. Bah oui, j'avais oublié. Et pétez-moi ces merdes là. Ouh, le truc qu'il fallait pas lancer. Là, on va faire ça pour sortir. Ouais, tu crois quoi? T'as cru vraiment me la mettre? Tu es pas sérieux, man. T'as cru ça vraiment me la mettre? T'es pas sérieux, moi je dis. Allez.
On va balancer une première boule de feu en fait. Ce qui fait... Allez hop, on va faire ça. Et ensuite, je vais sortir une boule de feu maintenant. Voilà. Bon bah enfin j'ai gagné quand même. Il a fallu attendre 3 parties pour que je gagne, super quoi. On remonte un peu dans les trophées, mais c'est pas ça, je vous ai dit hein, les amis, là, moi des fois je rencontre des gars en fait qui sont vraiment pas mal en fait. En termes de. Bon, lui il me sort ça déjà d'entrée, hop, on va faire ça. Pète, c'est quand tu veux pour le péter, hein, ouais. Prince Ténébreux niveau 1, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie, le Prince Ténébreux niveau 1. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a attaqué de suite, là. Bon, déjà, je sais qu'il a son mortier de merde. Donc, logiquement, voilà, c'est bien ce que je disais. S'il a un mortier, ça veut dire qu'il doit avoir... Il doit avoir des trucs du genre comme ça. Genre un canon, voilà, un canon. Merde, putain, quel con, alors. Je me suis bien loupé, là. Là, je me suis bien loupé sur le canon, c'est pas grave. Bon, il a canon. Il a mortier. Et il a un truc de merde. Et son truc de merde, c'est ça, d'accord. Donc là, il va me ressortir ses merdes. Il va me ressortir son canon. C'est tellement logique. Ah, il m'attaque en premier. Il faudrait que ce soit moi qui l'attaque en premier, là, pour être bien, parce que j'en ai marre. Allez, c'est pas grave. Il faut que je vais lui péter déjà ces merdes, là. Putain, ça me saoule, ça. A chaque fois il a plus d'élixir que moi. Allez c'est bon, on part là dans un truc, c'est bien. C'est une boule de feu là-dedans moi, tu vois. Hop, hop. Allez, là si je mets le cochon je crois à droite. Peut-être le faire. Ça, je comprendrai jamais pourquoi le cochon va directement sur le. Ça, je comprendrai pas. C'est un truc que je comprendrai jamais, ça. Là, maintenant, je vais me balancer une boule de feu parce qu'il est content. Et voilà. Bien joué, man. Bien joué, sale pute. Moi, j'appelle ça des putes. Les mecs qui jouent comme ça, c'est des grosses putes. Ah, c'est vrai, ça me saoule. Les mecs qui jouent comme ça, c'est des putes. Je te le dis, hein, le mec mortier, vas-y, je te mets une tour de Tesla, un canon, je te mets un extracteur d'élixir. Comme ça, moi, si tu m'attaques, eh ben, pas de soucis. T'inquiète pas, je peux toujours défendre. Ben, vas-y. Gobelin. Gargouille, pardon. Gargouille, et hop, on attaque. Voilà, je m'en doutais qu'il allait mettre ça, c'est pour ça que j'ai mis les... ces merdes là. Déjà, je vais me défendre avec une tour de Tesla. Il met quoi derrière là? Allez, mets-moi, voilà, impeccable. Tout ce que je voulais, ça, je m'en doutais qu'il allait mettre ça, connard. Allez, tu m'as pas touché, impeccable. J'ai plus d'élixir par contre. Et je crois que toi aussi. Il a pas mis un peu trop loin ça truc là? On dirait hein. Ou coco, tu me diras non. Donc lui aussi il joue avec mortier, décidément, je tombe que sur des putes. Hein.
se concentrer là parce que. Il va me sortir une tour de l'enfer, voilà, il est content. Il est content avec sa putain de tour de l'enfer de merde. Incroyable. Il est pas sérieux le type, hein. Donc il a une tour de l'enfer, un canon. Tour de l'enfer, elle fait mal, hein. Waouh. Qu'est-ce qu'elle fait mal la tour de l'enfer quand tu le... Ça me gonfle! Oh là là! Allez, arrête de jouer comme une pute, man! Elle va me sortir une tour de l'enfer, même pas! Impeccable! Impeccable! Si j'arrive à l'éliminer sans sortir, ça c'est bon. Attention! Attention, voilà, je me doutais qu'il allait avoir ça, donc on va sortir ça déjà. Vas-y, je m'en bats les couilles, là je sors tout. Bats les couilles. Voilà, qui tape un coup mon canon, voilà, un mon cochon. Allez hop, c'est fini. Voilà, j'ai gagné, merci. Eh ben putain. J'ai fait beaucoup de parties perdues là, mais j'ai fait beaucoup de parties aussi. Enfin, j'en ai fait deux, juste gagné, donc c'est pas beaucoup. Ok. Je refais une dernière. 2845 trophées. On a baissé de trophées, mais bon. Mon prince ténébreux, il est niveau 1, alors. Bon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tiens, vas-y, tu sors ça, bah attends, vas-y. Chacun à son tour, hein. Tu me sors des gobelins niveau 9, je te sors des gobelins aussi, moi. Allez, man. Tiens, bâtard. Allez, sors-moi tes fléchettes, là. Vas-y, sors-moi tes fléchettes, là. Il me sort pas ses fléchettes. Ah, il a pas, donc ça veut dire qu'il a pas de fléchettes en fait. Ah, c'est bon ça. Allez, viens mon PK, viens. Viens la PK. Allez. Plus de canon. La princesse a fait son travail, ça c'est bien. Mais laisse-moi la princesse, t'es con ou quoi toi? C'était obligé ça. Ah, il va éliminer tout le monde le sorcier de glace là, non? Tu m'étonnes. Bon. J'ai toujours pas sorti mon cochon, je crois. Si j'ai sorti mon cochon, je m'en rappelle même plus. Je m'en rappelle même plus. Ça, c'est l'alcool. Ça faut que j'arrête l'alcool. Sa mère. Allez. Il m'attaque. Le truc, c'est qu'il m'attaque sans que. C'est pas mal ça. Oui, attention, il a une... Soit je sors une boule de feu, mais attends, pas maintenant, parce que je sais pas s'il va m'attaquer comment et tout. Je sortirai une première boule de feu parce que je le sens mal. Je pense que je vais pouvoir le finir avec la princesse qui est là, hop. On va sortir une tour de Tesla, plus un cochon, plus des gobelins. Là, je m'en fous, je me mets en mode
gagner. Je me mets en mode gagner. Ah merde, j'ai pas encore. Ah mais c'est quoi, j'étais persuadé d'avoir pété la tour. Voilà. J'étais persuadé d'avoir pété sa tour à droite. Au final non, je l'ai pas pété. Ok, super. Tant pis. Allez. 2869. J'étais à combien au début de la game? Au début de du gameplay, j'étais à 2860. Ah bah c'est bon, ah bah je suis dans mon record. Ah bah on fait une dernière partie les amis, si celle-là je la gagne. Oh niveau 9. Oh, mais va te faire foutre. Niveau 9, super. Ok, bon c'est pas grave, on va jouer hein. Ah ouais, son cochon il est niveau 7. Son cochon est niveau 7, d'accord. Ah il me sort quoi là? Voilà un canon, je m'en doutais, niveau 9 son canon en plus. Je crois que je vais la jouer mode campouse parce que canon niveau 9, cochon niveau 7. Mon cochon il est que niveau 6 moi, mon malheureux cochon. Il va me sortir quoi lui? Je suis sûr il va me sortir mortier, même pas, il va me sortir barbare. Aïe, ça fait mal. Quand tu sors une princesse et qu'au final. Donc t'imagines toi que. T'imagines quand même que. Sortir les gobelins, je crois qu'il a plus d'élixir le type. La chance. Là t'as plus d'élixir mon gars. Donc là il doit être à 2 en élixir. Donc ça veut dire que j'ai 2 élixirs de plus que lui. En sachant qu'il a un cochon et qu'il va bientôt me le sortir le cochon. Ça m'énerve parce que niveau 9. C'est vrai, là, s'il n'était pas niveau 9, sa tour serait déjà à 2000, voire 1900 et quelques, en termes de vie. Et bah là, elle est pas à 2000 et quelques, en fait. Donc voilà, quoi. Déjà, sa princesse, elle est que niveau 1. Moi, tu me diras, c'est pareil. J'ai plus d'élixir que lui, ça il faut que je sache. J'ai plus d'élixir que lui. J'ai plus d'élixir que lui. Ok, super. Il va me sortir son cochon de merde. Allez, pétez-le là le truc. Ça fait peur. Mais. Oh quel con. Allez la princesse, fais ton travail. C'est très très bien la princesse. C'est bon, j'ai gagné. Yes! Yes! Yes, les amis, yes! Après avoir perdu quelques parties en première mi-temps, je suis revenu en deuxième. 2905 trophées! Wouh! Ah, franchement, je suis content. Je suis content, d'autant plus que je tombe sur des gars qui sont, voyez, haut, avec des troupes vraiment haut level. Genre, bah, le cochon niveau 7, que moi j'ai niveau 6 et que je suis loin d'avoir encore niveau 7. Le prince ténébreux, surtout, il est que niveau 1. Donc, je pense vraiment l'abandonner, le prince ténébreux, à la place. Mettre une Valkyrie ou je sais pas quoi, mais voilà. 2905 trophées, on était pas mal, franchement, au début de la game, on était pas en mode bien, mais là on est en mode bien, voilà les amis. Donc bref.
Donc moi je vais vous laisser les amis, je vais vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo si vous voulez rejoindre mon clan. Vous êtes les bienvenus, KK34500. Voilà les amis. Et je suis bientôt à 1000 victoires, vous voyez, je suis à 953 victoires. Donc pour la 1000ème victoire, je ferai un gameplay spécial et je la mettrai sur ma chaîne. Voilà les amis, je vous laisse et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.